Bonjour tout le monde, bienvenue à la zone musicale. Aujourd'hui, on reçoit Sylvain Roy de chez Roland. Il vient nous présenter le tout nouveau VAD 706, alors je lui cède de ce pas la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Roy, je suis représentant pour Roland Canada. Je suis présentement à la zone musicale pour vous parler du nouveau VAD 706 de Roland. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les caractéristiques du nouveau VAD 706. On va commencer d'abord par le module TD50X, donc la nouvelle génération du module TD50. On va faire le tour des nouveaux sons, des nouveaux instruments. On va regarder aussi toutes les features, les caractéristiques du module ensemble, ainsi que les composantes du drum. On nous demande souvent justement si c'est comme un vrai drum ou si c'est pareil comme un vrai drum. Et la réponse sera toujours non, parce que c'est pas ça le but d'être comme un drum acoustique. Premièrement, on cherche à ne pas comparer les drums électroniques avec les drums acoustiques. C'est deux instruments complètement différents. Dans les drums électroniques, vous avez des drums acoustiques, vous avez des sons acoustiques, sauf que c'est un drum électronique, donc qui vous permet de modifier les sons. Éditer tout ce qui se trouve à l'intérieur du module, donc ça ouvre une autre porte totalement à la sphère sonore de la batterie. Effectivement, en plus, c'est, comme vous pouvez voir, c'est du caoutchouc, c'est des peaux mèches, donc à la fin, ça ne peut pas être totalement pareil comme un drum acoustique. Sauf que c'est certainement ce qui se rapproche le plus au niveau du look, premièrement, au niveau du feeling aussi, et au niveau des options. Comme vous pouvez voir, les drums ici, au niveau du VAD 706, c'est vraiment une finition lacquer. Donc, un lacquer, c'est on voit le grain du bois sous le vernis. Donc, c'est super important au niveau du look aussi. C'est ce qui donne beaucoup de prestige au drum. Ce n'est pas un wrap. Cette batterie-là, justement, est disponible en 4 couleurs. Donc, là, présentement, ce qu'on a ici, vous avez le gloss ebony. Donc, on a la couleur noire. On a aussi le gloss cherry. On a aussi le gloss natural, donc couleur bois, et aussi le pearl white qui s'en vient aussi. Une des grosses particularités que Roland a développé durant les dernières années, c'est les pads digitales. En fait, présentement, avec le nouveau module TD50X, on se trouve à avoir trois types de pads digitales. Donc, on parle du hi-hat, ici le VH14D, le snare et la ride. Une ride de 18 pouces, donc au niveau du feeling, au niveau de la grosseur, c'est super réaliste. Les pads digitales, c'est quoi l'avantage de ça? C'est des pads multi-zones, des pads multi-surfaces. On peut toucher aux surfaces puis empêcher le son de se propager. Le range de dynamique, toute la possibilité d'expression avec ces morceaux-là sont incroyables au niveau de la performance. La technologie au niveau du USB qui nous permet de capter chaque coup, vraiment toutes les subtilités. L'autre technologie que Roland a développée depuis plusieurs années aussi, c'est le prismatic. Dans le fond, c'est de situer l'espace son au niveau de votre playing. Quand vous jouez un coup de caisse claire, vos toms, les cymbales, la résonance, tout le son, il bouge en temps réel quand vous jouez de votre instrument. Le but avec la technologie Prismatic, c'est de recréer ce changement d'espace-temps quand vous jouez du drum. L'instrument va vous donner ce que vous lui donnez. Donc, si je joue comme ça, pas fort, bien, le son va s'ajuster aussi pour ça. Plus que je vais jouer fort, plus que le son va bouger dans la même direction que moi.
Un des bienfaits de la technologie Prismatic, c'est surtout aussi d'amener la personnalité à chacun des joueurs sur la batterie, en fait. Parce que la technologie Prismatic, ça se ressent plus que ça s'entend. Quand on joue, c'est là qu'on se rend compte que l'instrument travaille avec nous dans la même direction que nous. Si on joue dans le centre du snare, sur le côté des toms, tout ça a un impact au niveau du son. Le son change en même temps que vous autres. Parce que vous lui donnez, l'instrument va vous le rendre aussi. Ce que vous voyez ici, c'est le module TD50X qui se trouve à remplacer le module TD50 de la génération précédente. Pour ceux qui ont déjà le drum en main, qui ont déjà le TD50, c'est possible d'avoir l'upgrade, donc la mise à jour qui va faire en sorte que vous avez toutes les nouvelles fonctionnalités du nouveau TD50X. Dans le TD50X, vous avez 600 instruments de plus, donc un total même de 961 sons. Chacun de ces instruments-là sont modifiables à l'infini. En fait. Au niveau des connexions, gros avantage ici, le TD50X, il y a 8 Direct Out. Donc, 8 Direct Out, ça va vous permettre d'enregistrer ou de faire des spectacles live avec 8 sorties audio. Donc, tout votre drum peut être micé comme dans un kit acoustique régulier. Donc, chacun des volumes peut être ajusté indépendamment. Vous avez aussi un des gros avantages du TD50X, c'est que vous pouvez sortir via USB 32 pistes numériques dans votre ordinateur. Donc, aussitôt que vous enregistrez, vous avez 32 channels qui sortent directement, ce qui est un avantage énorme pour faire vos productions musicales. Ce module-ci, c'est vraiment une machine de studio sans fin. Vous pouvez ajuster la compression, les transients, threshold, tout ce qui est EQ. Vous pouvez choisir aussi le type de micro, le type d'orientation du micro, la distance du micro. Vous avez aussi un choix de room, comme on dit, donc des pièces avec réverbération, avec des effets. Donc, changez votre son, éditez vos sons. C'est pratiquement sans fin les options que vous avez avec le nouveau TD50X. Alors, comme vous avez pu voir, le nouveau VAD-706, c'est un kit vraiment intéressant. C'est hors du commun. C'est la technologie la plus avancée présentement sur le marché. Les pads digitales, vous avez les fûts en bois, les 900 instruments, les branchements, l'aspect studio du module. Bref, c'est présentement la machine la plus perfectionnée sur le marché présentement. On a bien hâte de vous le faire essayer aussi. Pour toute autre question, je vous invite à communiquer avec les gens de la zone musicale. Merci, à bientôt. Alors voilà qui fait le tour pour le VAD-706. Merci à Sylvain de nous avoir fait la démo. On vous invite à vous abonner à la zone musicale et à laisser un petit j'aime sur la vidéo. Si vous voulez vous procurer le VAD-706, il est disponible en magasin ou sur le site web de la zone musicale. Pour toute autre question, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Sinon, on va se revoir dans d'autres vidéos avec d'autres produits au service de votre musique. Bye bye!